Fort FM s'est rendu ce dimanche 7 avril au Parc Explorer Vendel, où un brunch dédicace était organisé pour permettre de rencontrer Gérard Meyer, l'auteur du livre Floréal. Tout le buffet a été réalisé par le personnel du Café Clutch. C'est en profitant de toutes ces douceurs que nous pouvons entendre la lectrice professionnelle Emmanuelle Pellegrini nous lire des extraits du livre Floréal. S'ensuit juste après l'interview avec l'auteur. Après le bruit et la fureur, il se sent presque agressé par ce silence, intensifié par un tapis immaculé. Mais goûte néanmoins ce moment de calme. Il sait aussi que demain sera un autre jour. Il retrouve sa dauphine. Après le deuxième dérapage, il ralentit et tout en douceur monte la côte d'Eutin dans un silence et une clarté irréelles. Les branches des arbres, alourdies par la neige, forment une ogive de guirlandes qui lui donne l'impression de traverser une cathédrale. Gérard, bonjour. Bonjour. Pouvez-vous dire à nos auditeurs quel est le contenu de Floréal et qu'est-ce qui vous a poussé à écrire cette histoire? J'avais ça au fond de moi. De toute façon, j'ai passé toute ma carrière professionnelle dans les mines de charbon, entre autres au Puy Simon à Forbach. Et il y a des choses qui se sont déroulées tout au long, des incidents mineurs, des petits éboulements, sans parler de deux grandes catastrophes, c'est-à-dire une fois. D'ailleurs, le puits avait déjà été complètement noyé avant la guerre. D'accord. Et puis, il y a eu, entre autres, la dernière grande catastrophe des houillères, celle du 25 février 1985. Celle qu'on n'oubliera jamais, oui. Voilà, où il y a encore le monument qui est derrière, près du puits. Hein. J'habitais au fond de la rue Henri Kaufmann et j'étais allé à 500 mètres à vol d'oiseau de la mine, donc on a subi ce choc. Hein, et de même que le quartier où j'habitais, on était tous des fils de mineurs. Donc forcément, c'est quelque chose qui nous a touché au plus profond de nous-mêmes. Et aujourd'hui, c'était important pour vous de mettre en écrit toute cette histoire? Voilà, parce que cette catastrophe, je l'ai vécue de l'intérieur. J'étais au fond, à l'époque, j'étais porion chef de quartier. J'avais toute une équipe d'électromécaniciens. Et la catastrophe, on parle surtout des 22 mineurs qui ont été tués, mais en réalité, c'était pas ça. En réalité, c'était un branle-bas de combat incroyable. Il y a eu plus de 300 mineurs qui ont été intoxiqués à l'oxyde de carbone et qu'il fallait rapatrier d'urgence vers les hôpitaux qui disposaient d'un caisson hyperbare pour pouvoir les sauver. Ce qui fait qu'il y a eu un balai d'hélicoptères incessant pendant toute la matinée de ce 25 février. Ils ont ramené donc à peu près 300 mineurs sur Nancy, sur Strasbourg, sur Lyon, sur Paris, pour pouvoir les sauver. D'ailleurs, ils ont tous été sauvés. Bon, est-ce qu'ils ont eu des séquelles? Ça, je ne sais pas trop. Voilà. Et c'est, donc, j'avais ça au fond de moi. J'avais déjà fait deux livres auparavant. Et puis, il fallait que ça sorte, toute cette histoire de la mine. D'accord. Si on veut découvrir vos œuvres et les acheter, où est-ce qu'on peut se rendre? Déjà, on les trouve sur Amazon. Oui. Et puis, il y a dans certains magasins, au Cora, il y en a encore, et au Super U. Merci d'avoir pris quelques instants à notre micro, monsieur. Voilà. Je vous souhaite vraiment, bien sûr, le succès que vous méritez. Oui. Merci beaucoup. Voilà, il n'y a pas de quoi. C'est moi qui vous remercie.